Bonjour, nous sommes le groupe Keen. Okay, and you are on rtl2.fr. Keen vous offre une interview très très privée, exceptionnelle, jusqu'à 20h sur RTL2, le son pop rock. Et en effet, jusqu'à 20h, nous avons la chance d'avoir ce soir à nos côtés sur RTL2 le groupe Keen avec deux de ses représentants, puisqu'ils sont quatre. Il y a tout d'abord Tom Chaplin qui est le chanteur. Bonsoir Tom. Bonsoir. Ravi de t'avoir à mes côtés. Nice to have you here merci, tonight. Merci, merci. Et puis il y a Richard Hughes. Richard Hive. Nice bonjour. To have you. Bonjour. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir. Ça va, il n'y a pas de problème. Hello. Ça va bien? Oui. Ouais, ils sont très bien. Très bien. Vous parlez un peu français, je sais. Un peu. Ouais, c'est pas mal. Mais nous avons oublié tous les mots. On peut faire un peu de grammaire, mais tous les mots sont disparus. Non, c'est plutôt pas mal déjà pour commencer cette merci. Interview. Tom has no idea what we're talking about. No, no, I only remember one word. Embouteillage. Ah, embouteillage. We were stuck in a traffic jam. Voilà, traffic on. Jam en anglais. Yeah, he pulled that one out. And I said, we're in a traffic, we are dans un embouteillage. And I felt very proud. C'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup plus d'embouteillages qu'à Londres, où c'est vrai que voilà, c'est payant pour pouvoir rentrer dans le centre-ville, alors qu'à Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. On s'était vu il y a quelques années pour la sortie de votre album précédent. Vous étiez en bas dans le grand studio, vous aviez chanté en live pour une interview très très privée oui. et un concert très très privé. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver à nouveau ce soir pour un nouvel album. Strangeland, je le montre à la caméra, voilà, ouais. C'est votre nouvel opus, il y a 12 chansons dessus et ce soir, je vous propose de le faire découvrir à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Alors ce nouvel album, Strangeland, c'est vrai qu'il arrive 4 ans après le précédent album, vous me dites hein, si vous voulez que je parle définitivement en anglais, jusque là ça va. Oui, c'était 4 ans. Pourquoi autant de temps? Why so long? Why so long? Lots of preparation. Whatever that. Lots how do you songwriting? Yeah. Oui, il y a eu beaucoup de préparation. C'est pour ça qu'il y a eu 4 ans entre les deux albums. Tom a aussi pris beaucoup de mois pour écrire les chansons. Il y a eu 6 mois de vraiment où on compose, où on écrit ensemble. Et puis il y a eu un EP qui est sorti qui s'appelait Night Train. Ils se sont aussi mariés, pas ensemble, mais ils se sont mariés. Alors les autres ont eu des enfants. Et puis quand ça deviendra légal, ils se marieront ensemble. Alors vous avez vécu votre vie. Vous êtes devenus des adultes, hein. You grow up now. You are not child anymore. Well sort of. Inside, we're like children. Inside. Yes. Still, you have to stay like that. That's the key. Peut-être que de rester enfant, c'est la clé du succès. C'est ce qui fait que vous avez autant de plaisir à vous retrouver. That's the reason why maybe you have so much fun to play with each other, non? Yeah, it is fun. Yeah. Ah, parce que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que vous vous connaissez depuis l'enfance. Vous étiez amis depuis très 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 longtemps, tous les trois avec Tim également. Et c'est vrai que c'est un groupe. C'est un groupe d'amis. You are friends, yeah. And you are a band too. That's correct to say that. Yes. Well, we've known each other for all of our lives, pretty much. So we became friends playing football and cricket, and just hanging out. Oui, exactement. On se connaît depuis toujours. On s'est connus. On jouait au football ensemble, au cricket ensemble. On traînait ensemble en été. Et puis un jour, on a décidé de prendre ce groupe un peu plus au sérieux et de former Keen. Ce qui est amusant, c'est que le succès aurait pu vous changer. Et puis pas du tout. Vous êtes finalement restés les mêmes. You're still the same with success. I don't know. I'm sure we've changed in many ways, but on a dû quand même un petit peu changer, mais je crois que c'est très sain finalement d'être dans un groupe. Parce que quand il y en a un qui quitte un petit peu trop la terre, les autres sont là pour lui donner une petite claque et lui dire il faut que tu réatterrisses quand même. Est-ce que vous êtes très honnête? Bon, je vais pas faire la liaison. Est-ce que vous I don't êtes know très... that word. Je vais vous dire moi en plus parce qu'il n'est pas français. Est-ce que vous êtes très honnête les uns envers les autres? Are you honest? Honnête. 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 Zonette. Zonette. In the autres. Zone, that means. Non, non, non. Est-ce que vous êtes... zoned out. Est-ce que vous êtes capable de dire à l'un ou à l'autre ce que tu fais là, c'est pas bien, it's not good, what you do, ou est-ce que vous êtes... vous essayez toujours d'être à peu près sympa parce que vous vous connaissez depuis des années. Do you have some fight? Or, we have conflict, yeah. Yeah, you have conflict. I think that's an important part of being a band, you know, and just a part of life. So obviously there are times when things are not always perfect, but then again life isn't like that. So non, évidemment qu'il y a des conflits, mais je crois que c'est aussi ce qui fait la vie, c'est ce qui fait un groupe. But we're quite honest. I think that's what people appreciate about Keen's music. On est très honnête entre nous, et je crois que c'est finalement ce que le public apprécie dans notre musique, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas. Ce que vous entendez, c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. About things that we have experienced as people. Ce qu'on fait, c'est vraiment de la musique. On ne filtre pas nos émotions, on les laisse vraiment transparaître dans notre musique.
Keane, and this is a song called Somewhere Only We Know. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where you're gonna let me in. I'm getting tired and somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches, are they looking at me? Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? Alors, cet album, c'est Strangeland. On parlait tout à l'heure du fait que ça faisait 4 ans que l'on attendait cet album. Est-ce que, finalement, lorsque l'on est des artistes, comme vous l'êtes, le temps, time, est-ce que ce n'est pas la chose la plus précieuse? The most precious thing when you are artist. Est-ce que le temps, ce n'est pas quelque chose qui vous permet de créer des choses magnifiques et réussies? It's hard to give yourselves enough time to allow a record to really take shape. And to allow yourselves to breathe, you know, as people and as a band. But with this album, we definitely did that. We learned, I think, from the experiences of making. Je crois que c'est très dur finalement de se donner le temps, d'abord de donner un album la forme qu'on veut lui donner, de prendre le temps en tant que personne, en tant que groupe, de respirer aussi. Mais avec cet album, je crois vraiment qu'on a réussi à faire ça, qu'on a réussi à se donner la liberté nécessaire pour écrire l'album qu'on voulait.
pour que dans quelques mois, quand on aura assez entendu l'album, on n'ait pas envie de changer des choses, mais qu'on en soit encore fier, comme on peut être fier aujourd'hui. Est-ce que vous voulez avoir un album qui ressemble le plus possible à la perfection? Est-ce que c'est l'idée? Est-ce que vous voulez vraiment quelque chose qui soit le plus... vous soyez le plus fier possible? You want to be proud of your new album? You want it to be almost perfection, maybe? Yeah. I don't know. Yeah, we were watching lots of... When we were on the tour bus, we were watching... Exactement, c'est ce qu'on voulait faire, parce qu'en fait, dans notre tour bus, comme on dit... on regardait une émission télé qui s'appelle Classical Album et ça parlait des albums de Stevie Wonder, de Paul Simon, de U2 et on se disait mais ces albums sont parfaits du début à la fin, de la première à la dernière chanson, et c'était vraiment le but avec cet album-là, faire un album parfait. Alors j'ai lu une phrase de Tim qui est l'un de vos partenaires, hein. Tim c'est le fainéant qui est quand même l'auteur aussi d'une partie des chansons, il faut bien le dire, qui disait I had so much fun with Perfect Symmetry, why a song could be so magic? Il se posait la question, comment une chanson peut être aussi magique? Qu'est-ce qui fait la magie d'une chanson? Do you have the key? What is the magic thing in a song? Do you know the magic stuff? I guess that's the inspiration. That's the bit that you have to just work hard to make. Yeah, I think it's very hard to define. Impossible to define. Ça doit être l'inspiration, mais c'est quelque chose de très difficile à définir finalement, toute cette magie qu'il peut y avoir dans la musique. Et finalement, est-ce que ce serait pas ce qui fait que la musique, c'est le meilleur des arts, le plus grand, cette impossibilité de définir la magie qu'on peut y trouver? Pas toujours une explication. Il n'y a pas très longtemps, c'est Dolores O'Riordan des Cranberries qui était à votre place ici. Et elle m'expliquait que sur son dernier album, sur Roses, The Last Album, parfois, il lui arrivait d'avoir deux ou trois chansons qui ont été créées en 3 minutes. 3 minutes for a song, you know. Yes. She's in a car, she sings about the father, things like that. Elle pensait à son père, elle était en voiture. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse créer une chanson en 3 minutes, c'est-à-dire l'inspiration? Do you understand the way she feels when she said that? When she said 3 minutes and you have a song, you know? Well, that can be the way it happens. I know from talking to Tim that he... sometimes it will take months for a song to... Oui, ça peut se passer comme ça. Parfois, il va falloir des mois à écrire une chanson, et parfois, il va falloir quelques brèves minutes. That's a song that was part of this thing that Tim does called the 20 song game, where he tries to write 20 songs in one day, in 12 hours. Tim, justement, qui a écrit Silent by the Night et qui écrit beaucoup des chansons de Keane, a un jeu qui s'appelle The 20 Song Game, qui est une sorte de 20 chansons par journée à écrire. Et c'est comme ça qu'est sorti Silent by the Night en 5 minutes. Donc parfois, il faut 5 minutes, pas plus. Et puis parfois, il faut des mois. Il n'y a pas de formule vraiment pour écrire une bonne chanson. Alors, ce qui est amusant en plus, c'est que Tim, j'ai lu ça, hein, vous allez me dire si c'est vrai. I don't know if it's the truth, but I think it's the truth. Tim send you an email. Tim vous envoie un email. With songs inside, il y a des chansons à l'intérieur. Yeah. And then you said to him, nice, not good, okay, I like it. But there were 82 songs for this album. 82 chansons. I mean, it's crazy. So there were some that we had to say, nah, maybe not, you know. the biggest album ever, you know. You were asking if you had to be honest. And yeah, we have to be really honest with Tim. And he can work, you know, you can say, oh, I don't like that one. And he'll be like, I spent 3 days working on that. But you have to be honest, because you've got to all love the song. C'est vrai que c'est pas forcément facile quand on a travaillé autant pour s'entendre dire je l'aime moins. Mais vous avez raison, c'est l'honnêteté dont on parlait tout à l'heure. To be honest, we said that a few minutes ago, and now it's the truth. It's true. Oh, I'm proud of me. In practice. It's true. This is Keane, this is a song called Disconnected. Something's crept in under our door. Silence soaking through the floor, pinching like a stone in my shoe. Some chemical that's breaking down the glue that's been binding me to you. We've been leaning on each other so hard.
so tight we wound up miles apart, making simple things so hard. C'est l'interview très très privée de Keane sur RTL2, le son pop rock. Alors jusqu'à 20h, Keane, ils sont nos invités, puisque évidemment nous avons la chance d'avoir Tom et Richard à nos côtés ce soir. On a écouté cette version de With or Without You que vous avez chantée, This Incredible Song of U2. C'est un great song. Je sais qu'avec U2, vous avez une histoire particulière, parce que vous étiez avec eux aux États-Unis on stage, hein, c'était en 2005, si je ne me trompe pas, ça va faire 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire? Parce que nous, sur RTL2, évidemment, U2, c'est aussi le groupe culte. Vos souvenirs de cette période avec U2? Tom nearly killed Bono. I was, the first time I met Bono, I was waiting in for some food in the catering section. I didn't expect Bono to turn up. I thought he would have dinner like in his dressing room, but no, he was down, he came down to catering and there he was. Tom a failli tuer Bono sur cette tournée-là, c'était pendant à la cantine en fait, il s'attendait pas du tout à voir Bono arriver, il pensait que Bono allait manger dans sa loge. Behind him just unwrapped this bag of knives. Et en fait, pas du tout. Bono arrive à la cantine, il commence à parler à Tom. Et derrière lui, la femme qui s'occupait de tout mettre en place sort un sac de couteaux. Et normalement, Bono qui est entouré de sécurité. This woman is just laying out knives for Tom. It's like Dexter, just choose your weapon. I don't know why I suddenly had this thought. It was terrible. Shall I kill Bono? I didn't kill Bono. Non, I didn't. Some people may wish I did, but I didn't. Heureusement, parce que sinon vous ne seriez pas là tous les deux ce soir. On va se plonger dans cet album dans 2 secondes, mais juste avant, j'aurais voulu que vous me disiez ce que ça vous fait lorsque vous repensez à, par exemple, il y a 10 ans. C'est pas très vieux. 10 years ago, when you were in Tottenham, you know, with no contract. Vous n'étiez pas très connu, vous n'avez pas de contrat, il ne se passait rien avec les maisons de disques. Et aujourd'hui, il y a ce succès. What a way, what an incredible journey, non? C'est quand même un voyage incroyable, non, cette histoire. It has been an amazing adventure. I mean, there's no other way to describe it. Adventure. Yeah, because when we were 10 years ago, when we were trying to get a record deal, we like
The only people that would come to our shows were our friends. Ça a été une aventure extraordinaire, en fait, parce qu'il y a 10 ans, quand ils essayaient vraiment d'avoir un contrat signé avec une maison de disques, seuls leurs amis venaient les voir à leurs concerts organisés, et encore leurs amis commençaient à en avoir sincèrement marre d'aller les voir. Et puis, on est 10 ans plus tard, il y a 5 albums qui sont sortis, 5 albums numéro 1 en Angleterre. Et c'était vraiment eux, leur seul but dans la vie, arriver à avoir un CD quelque part dans un magasin qu'on pourrait acheter. Et aujourd'hui, ils y sont, c'est vraiment une aventure extraordinaire, c'est fou. Oui, c'est ça, je leur parlais de Tottenham il y a 10 ans quand ils n'avaient pas de contrat. Puis aujourd'hui, cette incroyable aventure, ils sont numéro 1 en Angleterre, c'est tombé il n'y a pas très longtemps. 5 times number 1 in UK, you said that. Tom, yeah. That's true, only Coldplay and Robbie Williams. Do you know what, actually? And the Beatles 7 times. Alors non pas Robbie Williams et Coldplay, seuls les Beatles à partir de leur premier album ont réussi à être numéro 1. Donc en plus d'être les héros de Gregory, ils sont eux-mêmes leurs propres héros. You're my hero. Thank you. We're our own heroes. Well, the Beatles are everyone's heroes, so that's... Yes, that's true. That's Alors les Beatles, c'est les héros de tout le monde, donc au moins vous avez de nouveaux héros. Alors cet album s'appelle donc Strange Lands, il y a 12 chansons. C'est une question finalement traditionnelle que je pose souvent, mais j'estime en tout cas qu'elle est suffisamment intéressante pour être posée. Vous disiez qu'il y avait 82 chansons, hein, c'est ça, 82 songs, and only. I don't know if it's a good word. Seulement 12 chansons sur l'album. What a hard choice. Quel choix difficile, j'imagine. Yeah. But we recorded 19 songs. Alors sur les 82 chansons, ils en ont enregistré 19. 12 sont sur l'album basique, 16 sont sur la version de luxe. Celui-là, je vais le montrer aussi à la caméra d'RTL2.fr. Vous le verrez sur notre site. It's great. It's got a great story by the English, no, Scottish novelist called William Boyd, which is fantastic. Alors dans cette version de luxe, il y a une très bonne histoire signée par un romancier écossais qui s'appelle William Boyd. And then we had a lot of arguments about the track listing and how many songs should be on the record, because first we wanted 10. Concernant justement toutes ces disputes qu'il y a pu avoir, il y en a eu effectivement beaucoup parce qu'ils ont enregistré beaucoup. Au track listing, choisir 12 chansons, ça a été peut-être le plus compliqué. But there are still people that are annoyed with us because that song, the 13th one, they really love. And so, like our manager Adam, jusqu'à vraiment peut-être la dernière minute, il y a eu 13 chansons finalement, ils l'ont enlevé au dernier moment. Et leur manager encore aujourd'hui leur dit mais pourquoi vous l'avez enlevé? Elle était vraiment extraordinaire cette chanson. On va parler de cet album dans quelques secondes parce que je voudrais qu'on parle de l'histoire justement de Sovereign Light Café. Sovereign Light Café. Voilà, qui est sur cet album. On va en parler dans quelques secondes. Dans l'immédiat, on va écouter Crystal Ball, Keen, nos invités jusqu'à 20h ce soir sur RTL2. RTL2 avec un superbe succès de Keen, c'était Crystal Ball. Keen vous offre une interview très très privée, exceptionnelle, jusqu'à 20h sur RTL2. Le son pop rock. C'était bien, hein? C'était bien quand vous réentendez ces chansons. When you hear songs like Crystal Ball or Somewhere Only We Know, you are like children, you know. Is it us? We're on the radio. Hey, it was one of the most exciting things about becoming a successful band is that. La chose extraordinaire avec le fait d'être un groupe à succès, c'est vraiment d'entendre la toute première fois sa chanson à la radio. Because even as a kid, like there was this thing like. I used to lie in bed with my radio, with my headphones in, and just listen. Même quand j'étais petit, je me souviens m'allonger dans mon lit avec ma radio, mes écouteurs dans les oreilles et écouter toutes les différentes stations, toutes les différentes radios, écouter la musique que j'aime. Et aujourd'hui, je trouve ça encore incroyable finalement de traverser les pays, de traverser tous les genres musicaux par le simple biais d'un petit appareil. Et c'est vraiment quelque chose de fascinant pour moi. Radio is magic. I think really radio is magic, more than television, you know. I think so. Voilà, ça c'était pour la pub, pour la radio, c'était pour nous, ça me fait plaisir. Alors je voulais qu'on parle donc de cette chanson, Sovereign Light Café, qu'on retrouve sur Strangeland, parce que c'est une très belle histoire, c'est une histoire personnelle qui vous touche. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce café? I heard the word personnel. I think this can only mean one thing. It's a personal story. Tim and I used to ride our bikes down to the town where the Sovereign Light Cafe is. It's this little. En fait, on aimait beaucoup se balader en vélo jusqu'au centre-ville où il y avait ce petit café justement qui était pas loin de la mer, juste à côté. Et on avait l'impression qu'on allait entrer, que ça allait être Alerte à Malibu, plein de filles magnifiques. Basically, full of people who have retired. That was your excuse. On est entré et en fait, désespoir total, il y avait plein de femmes, hein, pas de soucis là-dessus, mais c'était beaucoup de retraités. On est rentré parce qu'il faisait froid, donc on a quand même bu un thé, et puis on est rentré tout seul, sans femme derrière nous, jusqu'à nos maisons. Et cette chanson, je crois d'ailleurs qu'elle a été écrite en Amérique du Sud. Est-ce que c'est pas ça
le succès de Keane et finalement de tous les groupes ou tous les chanteurs qui ont du succès. Est-ce que c'est pas de parler de choses qui semblent personnelles et puis qui en fait s'adressent à tout le monde? You know, songs, you can say it's autobiographic, you know, it's a very personal song, private song, almost private. And then, bingo, it's everybody's. Everybody's. Yeah. And that's... people interpret songs in their own way, don't they? Mm. So, you know, you, oui, if, chacun interprète la chanson à sa manière. Je crois que Tim a appris à être le plus honnête possible dans ses chansons. Then, ensuite, c'est à chacun de voir vraiment comment il va ressentir ce texte-là. Yeah. Il y a autre chose aussi qui marche très bien avec vous, c'est votre son. The sound of Keane. You know, quand on entend une de vos chansons, on sait que c'est Keane. C'est parce que vous aviez, à l'époque, vous n'aviez pas de guitare. No guitar. At first. Et maintenant... Enfin, not really. On this record, there's a tiny bit on one track. Il y en a peut-être un tout petit peu sur un morceau, mais qui ne sonne même pas comme une guitare. Yeah. But now you are four. C'est ça la grande nouveauté. We are four. The big thing now, you were three and you are four. Vous étiez trois, vous êtes quatre. Vous avez été rejoint par Jesse Quinn, c'est ça? Jesse Quinn. En février 2011. Qu'est-ce qui vous a apporté? What is the biggest change within the band now? Well, I think the way that this album is made is reflective of how it's been working with Jesse. You know, we made this. Oui, cet album est vraiment un reflet du travail avec Jesse. Playing songs, maybe the last record, which Jesse was involved with, but the last record was made very much in the studio, so it was layering the songs. Sur l'album précédent, en fait, même s'il avait travaillé un petit peu dessus avec nous, on était en studio. C'était un album plein d'ambition. On parlait tout à l'heure de symétrie parfaite. Sur celui-là, au contraire, on n'a pas enregistré en studio directement. On s'est retrouvé dans une salle. On a bossé pendant 6 mois et une fois qu'on était prêt, on est ensuite allé enregistrer. Et c'est vrai que ça a changé quelque chose. He's another person. He adds more breathing space around the band. Et puis Jesse, c'est aussi une bouffée d'air frais. Et puis c'est quelqu'un qui est très drôle, tant dans ses blagues que de son physique, en fait, quand on le voit. Yeah, he's very funny looking. Funny looking. Yeah. I will tell him. Je le dirai. Allez, vous ne bougez pas jusqu'à 20h. Keane avec Tom et Richard sont nos invités sur RTL2. À tout de suite. Bon, c'est déjà la dernière partie de cette interview très très privée jusqu'à 20h. Nous avons la chance d'avoir Tom et Richard avec nous pour nous parler de ce nouvel album qui s'appelle Strange Land, qui est évidemment chez tous les bons disquaires que vous retrouverez. Vous allez vous ruer dessus, vous allez forcément l'acheter, vous allez l'aimer, cet album. Avant de parler de la tournée, de la France, de vos fans, parce que c'est important, même d'Internet, parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses essentielles, j'aurais voulu également avoir un mot sur une chanson que moi j'adore. Voilà, je vais prendre mes responsabilités, puisque j'ai la chance d'être à vos côtés ce soir, c'est Watch How You Go, qui est une chanson, une belle balade, un très beau slow. Je voudrais, s'il vous plaît, que ce soir, vous nous disiez comment vous avez créé cette chanson, Watch How You Go. Alors même s'ils ne se souviennent pas de quand exactement cette chanson est arrivée, ils se souviennent qu'ils sont tombés amoureux de la simplicité de la chanson, du morceau. Because your voice on this song is really incredible. I don't know what do you think about that. Your voice is always incredible. No, that's not what I mean. No, this song. It's interesting because with the singing on that song, there was a version of the singing that was a very old, like rough vocal, a guide vocal that I just done at the end of a long day. Alors c'est intéressant parce que le chant qu'on a enregistré sur la première version était très brut, finalement, de décoffrage. On l'a enregistré à la fin d'une longue journée où je m'étais entraîné, où j'avais beaucoup chanté. Et sur la nouvelle version, celle qu'il y a sur l'album, ça a été un son beaucoup plus doux, comme tu peux dire, beaucoup plus aérien. Some magic to it. So it was quite hard to get it, et ça a été très dur à trouver ça, à changer complètement de façon de chanter. Mais j'y suis arrivé et je suis très fier du résultat. It sounded good. Yeah. Un mot quand même sur la France, parce que je vois que vous parlez un petit peu français, surtout toi, Richard. C'est un pays qui vous a bien accueilli, hein, la France. Dès que vous venez, c'est vrai que... En même temps, on ne va pas vous jeter des tomates à la figure comme ça gratuitement, mais je veux dire, c'est vrai que votre talent... Slow down a bit, slow down a bit. I will translate, don't worry. Your talent, French people... like it very much. Ça, c'est sûr. Les Français vous aiment. You have so many fans here. We do. Yeah, it's wonderful. Alors, puisqu'on a grandi dans le sud de l'Angleterre, on venait en voyage scolaire en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces enfants un petit peu embêtants qui se mettaient dans votre chemin. En France, quelque part, c'était très certainement nous. Yeah, no, it's true. So, and you know, setting off bangers and cap guns and things. Oh, yeah, Bastille Day. Yeah. I set off a banger in Paris. And nearly got sent home by my school teacher. He wanted to send me on the next
Tom se souvient justement qu'il était en France pendant le 14 juillet une année et qu'il a fait exploser un pétard qu'il avait trouvé dans la rue. Le problème, c'est qu'il l'a fait dans la cour de son hôtel et que ça a fait tellement de bruit que son professeur a voulu le renvoyer par le prochain avion en Angleterre. Et finalement, ils se sont rendus compte que dans cet hôtel, malgré le bruit, personne n'avait entendu parce qu'il y avait une convention de personnes malentendantes. Donc, il n'y avait pas eu de souci. On ne l'a pas renvoyé en Angleterre. C'est un bon so you couldn't send me home. It was perfect. C'est sûr que c'est absolument parfait. Alors depuis, vous avez évidemment rencontré votre public. Il y a une tournée en France, puis après une tournée mondiale. Being on stage, est-ce que c'est quelque chose qui va finalement est la partie la plus importante de votre vie de musicien? And the most important thing in your musician life, being on stage with your fans. Or you like to be in studio? Maybe I don't know. My favorite time, I think, is just those moments, so I'll catch myself in a gig. Oui, son moment préféré, c'est vraiment la scène. Et très souvent, d'ailleurs, il se rend compte que pendant le concert, son âme sort de son corps et il arrive à se rendre compte du lien incroyable que son corps, que cette personne-là, arrive à créer avec le public. Et il ajoute qu'il n'y a rien de plus incroyable, finalement, que d'arriver à créer cette connexion-là avec un public, que de chanter des émotions et que toutes les personnes dans la pièce se rendent compte de ce qu'il est en train de dire et ressentent ce qu'il est en train de dire. C'est plus fort que n'importe quelle drogue, c'est plus fort que n'importe quelle. C'est vraiment le meilleur sentiment au monde. Love, maybe it's like love. It is kind of, yeah. It's a kind of, yes, we can say that. A few, very few words about the internet, because I thought that you were on Twitter, something like that. You like that, to be on the internet with your fans? It's the message sur internet. It really sur brings you, it brings you such an amazing connection with your fans. Mm. And, you know, I think that's the sort of the modern world. I love it. I mean, today somebody was saying, my record still hasn't turned up. Do you think you could find it for me? So I got onto the, you know, the people that were sending it and they're sending it. Oui, Internet offre vraiment quelque chose d'incroyable à un chanteur parce que sans les fans, il ne serait pas là. Donc c'est important aussi d'être présent sur Facebook, sur Twitter, histoire de leur rendre un petit peu et de les remercier aussi un petit peu d'être présent constamment pour eux. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Plein de belles choses pour cet album Strange Land. Vous retrouvez toutes les dates de la tournée, évidemment, de Keane sur rtl2.fr. We're Keane, and this is a song called Silenced by the Night.
that you and